Georges, ça va? T'es fou d'avoir. C'est un cul-de-sac? Non, il y en a là-bas, viens. Ok, je saute. Ah ouais. Bon ben. Ah! C'est toi qui as fait ça? Ah, je m'y attendais pas là. Bonjour. Bonjour. Je tiens. C'est fermé. Tu me les ouvres. Bonjour. Bonjour. Bien. Bon. On revient là-bas, on revient. Ça va, monsieur? Okay. D'accord, on va à la maison. Je te demande, on a mis sur la radio si tu veux ce que je veux dire et on continue. Ok. Ok. Bien le bonjour. Pardon. Bien. Georges, après ce qu'on a trouvé, Georges, oui, c'est pas mal. Là, je vais demander. On va continuer. Alors, voici ce que j'ai. J'ai ça. Que je vais tout de suite. Ah, il en a une dizaine. Il a une dizaine. C'est une boîte avec des dizaines. Mais on est riche. On est riche. Mais. Moi aussi. Ok, au pire. Tu sais comment jeter des gens sur Steam? Ok. Par contre, là, on commence vraiment à être bien au niveau de... Donc, ce que je te propose, c'est que déjà, la grosse boîte. Tu vois la grosse boîte à l'intérieur où il a tout plein de... Ok, la grosse boîte. Surtout, celle-là, on la cache. Ah ouais! Sur toi, tu peux faire... Oui, quoi. Ouais! On Par contre, faudrait vendre... C'est que tout ce qu'on a, parce que là ça en devient quand même. On nous espionne. Comment ça on nous espionne? Oui, on. Attends, viens. Et si on est sur les toits pour planquer quelques trucs? Sur les toits. Parce que c'est vrai, ça me dérange pas trop de payer. C'est pour qu'ils gardent. Oui, ce serait une bonne idée. Ouais. Et vu que j'ai 1000 jetons sur moi, je pourrais en proposer 50 pour je sais pas combien de temps. S'ils nous vendent. J'ai 690. Ouais, moi j'en ai 1000. 1070. T'as pris un truc sur toi pour qu'on y va. Ouais, en plus c'est somme 2, donc c'est parfait. Ok. Range ça ici, je vais proposer ça aux voisins. Bien. C'est bon. Vive la résistance fermée. Ok, attends. Je propose ça ici. Ça part de résistance, je viens. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la résistance, ils voudront bien nous garder ça. Ok, attends, chut. Cours! Cours, ça tire! Ça tire à l'intérieur, courez! Bonjour! Ça tire à l'intérieur, aidez-moi s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas armé. J'ai fui parce que j'ai eu peur. Rassurez-moi, c'est... Excusez-moi. Excusez-moi. Vous savez, c'est pour ma vie, monsieur. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Désolé, je... Pourquoi avez-vous quoi? Bah, en fait, j'ai cru que c'était un malveillant qui voulait nous braquer, nous tuer, vous savez. Nous, on tient nos vies, nous, les humains. On n'avait pas vu que c'était vous, parce qu'on avait... Ah, je vous remercie. Bon, ça, c'est notre réserve, ne vous inquiétez pas. C'est notre réserve. Vous savez, on a besoin d'argent.
Normalement, c'est une par personne, et vu qu'on... Ceci est une contrebande de nourriture. Bah, en fait, vu qu'on vit à plusieurs ici, une nourriture par personne, vous savez. Nourriture par personne, ça reste ceci légal. Et en plus, cette boîte, je la garde depuis si longtemps, vous savez, vous pouvez faire un truc. Si cela vous dérange pas. Seules les rations sont tolérées. D'accord. Bon, je m'en excuse. Bonne journée. J'ai chaud. George, bonjour. Vous n'aurez pas vu une personne qui s'appelle George dans les parages? Non. Il est habillé en blanc. Il est parti où encore? Attendez. Partez maintenant. D'accord. George, putain, c'est toi. Ils sont venus dans la maison, oui, carrément. Oui, moi aussi, j'ai eu un... Attends, Charmaine, ils ont vu ce qu'il y avait dans la maison. Café, il se passe quoi dans le café? On va y prévenir. Dans le café, non, il y a des non. Ah, d'accord. Parce que tu vois, j'ai couru et en fait, ils sont venus dans la maison, là. Cours pas sur tout. Les robots. Messieurs, il y a des voleurs. Dans le bar. Attends, d'abord je mange. Attends, viens, suis-moi. Je me mets la nourriture au maximum. C'est bon, j'ai la nourriture au maximum. C'est bien quand même ces canettes, ça remplit bien. Ok. Par contre, faut surtout pas qu'ils voient ça à côté. Oui, vu qu'ils ont la porte des égouts là. Par contre, toi, t'es citoyen ou t'es anti-citoyen? Je comprends plus rien. Je suis anti-citoyen. Ah, d'accord, et quelle est la différence? Parce que je suis citoyen. Faut passer de l'autre côté. Et c'est où cet autre côté? Ah, peut-être qu'ils sont en train d'ouvrir. Bonjour. Bonjour. Le bar est ouvert? J'ai pas l'impression. Non, vous savez pas dire? Ah bah, excusez-nous. Viens, on va dans le truc. Ben, dans le bar, il y a à côté des WC. T'as un WC, tu dois faire quelque chose. Ça ouvre un passage secret, viens. Ah ouais. On va rentrer dans le bar. Oula, attends. On rentre dans la maison, attends. Ok. Attends, on va tenter d'entrer. C'est fermé. On attend que ça s'ouvre et on tente. Par contre, Georges. Bah, il y a un grand immeuble. Je sais, mais moi je suis citoyen. Faut que tu comprennes, je suis pas anti-citoyen. Pour devenir anti-citoyen, c'est pas simple, tu vois. Mais moi je suis. C'est toi qui peux aller partout, moi je peux aller nulle part. Je peux aller qu'ici. Attends. T'étais citoyen et après t'es devenu anti-citoyen. Oui. Et comment t'as fait? Anti-citoyen, je suis. Ben, c'est gratuit. Attends, fais F4. Non, j'ai évité. Ah, d'accord. Ah, fais F. Non, c'est bon, j'ai évité. Donc, t'es anti-citoyen et d'accord. Et donc ça devient illégal pour moi.
aussi, parce que du coup, on doit pas traîner ensemble. C'est quoi ça? C'est du bar. Cours pas. Ça vient du bar, on dirait. Dans l'immeuble, tu vois, là, avant que tu me fermes en dessous de mes pieds, là, ben, ça continue. Est-ce qu'il a, ça continue ou pas? Oui. Parce que ça pourrait peut-être nous ramener aux égouts. Oui, ça continue, c'était pour ça. Ben, c'est pour ça que je te disais ça. On y va? T'as envie de tenter? Attends. Oui. Ok. Allez, on y va. Ben, tu vois, on va dans ta zone et tu vois, comme je t'ai dit, le chemin où tu m'as fermé un peu sous les pieds. Oui. En fait, tu vois, avec ce chemin, on passerait par ici, on continue et espérons qu'on atterrisse dans les égouts. Ben oui, c'est ça. Peut-être qu'on peut atterrir dans... Ouais, mais par le chemin, tu vois, tu sais, on était en hauteur et tout, comme on avait fait. Non, mais je sais, c'est où, par contre, déjà. Oui, je sais. Hein. On y va? Bah ouais, mais tu veux passer par là? On passe par l'endroit où on est passé. Qu'est-ce que t'es en train de faire là, toi? Qu'est-ce que tu fais devant notre porte? Oh, rien, je tape la porte. Ouais. Parce que ici, tu vois, c'est chez moi. Georges, me revoilà. Il y avait un gars qui a essayé de crocheter notre porte. Oui. Là. Il y a un gars qui voulait crocheter notre porte. Il voulait voler ce qu'on avait à l'intérieur. Putain, ils sont sérieux. C'était en... Non, c'est bon, j'ai fait jarter, mais... Putain. Bon, on y va. T'es sûr que c'est là? Non, mais c'est un raccourci. Ouais, non, allez, parce que c'est trop dangereux, c'est trop risqué. Putain. Par contre, si on perd toute la bouffe qu'on avait. C'est qui ce milice, sérieusement? Là, c'est à la milice. Oui, ils prennent tout, les milices. Et c'est qui ce milice? Ben, la milice, c'est les robots. Et c'est qui ces deux-là? D'accord. Bonjour monsieur. Il me semble que j'avais vu des égouts ici. C'est T'es bizarre.